comme ça, quitte à sortir ici en 2002. Ça va bien, le bon moment? Ouais! Oui, content d'être ici, vraiment beaucoup. Content d'être ici parce qu'à ce moment-là, je vais vous porter un script que j'ai fait l'été passé avec mes chums. On est allé au Woodstock en bas, c'est bien. Puis, je suis content d'être ici, j'avais pour pouvoir vous la raconter. On est parti avec Joe Guérin, fin de semaine. On arrive au Woodstock en bas, c'est bien. Et moi, dans ma tête, je pense que c'est Woodstock, tu sais. Il y avait plein de jobs, plein de drogues, man. J'allais pas dormir la fin de semaine, tu sais. Il y avait de la police partout, ok? L'armée américaine avait lâché l'Irak le temps de 20 semaines, vous voyez le genre? Là, on rentrait là, puis quand on faisait la fille pour rentrer, il faisait passer un autre test, ok? Puis si tu pétais pas à ballon, ben tu dis. Il t'a vu rien, t'as retourné chez vous! C'est là que j'ai compris c'était quoi au stock, ok? Et là, je me suis dit, ouais, la police sur ta main, on rentrait sur le site, ça va être l'enfer. Je rentrais sur le site, la sécurité, il n'en avait fuck all, ok? Il est à peu près 23, ok? Puis, j'ai dit, les agents de sécurité, c'était plus Maurice, Marcel, puis Bido, ok? Ils ont pris les trois gars les moins instruits de la base et dit, ok, allez jouer une autre semblable. Puis là, j'ai demandé dans le réseau, j'ai dit, vous êtes juste trois pour tout ce monde-là? Je me regarde. Mais non, là! Au début, il était quatre! Ouais, mais hier, on s'est voyé dans le bout, tu sais, fait que, on s'est appelé de Sylvain comme fractionner. Là, j'ai imaginé le Sylvain en question, ok? Convaincu que c'est une bonne idée, là. Sur le dos, je suis dans le bas. Ok, allez-y, gars! Je viens de comprendre, c'était lui, gars, sur ce camion, puis il va en arrivant. Là, rendu sur le site, il y avait un panneau avec les règlements du site, mais il y avait écrit, c'était plus comme des. Les dessins qui ont ça fait par un enfant du temps de trisomique, ok? Vous voyez genre un peu. J'ai réussi à décoder, tu sais. Il est vraiment de base, tu sais. Pas le droit de déranger les autres encore, je t'amène pas ta propre alcool, c'est du chaud. Puis je disais, je regarde les règlements. Tu vois, ça me font inventer mon enfant. T'arrives en bas, c'est écrit, ne pas toucher à la licorne. C'est ça ou ça, ok? En rentrant sur ça, on voit notre carnet, ok? Dans le carnet, on est arrivé là, il y a une petite roulette tout croche en carton. On commence à monter ça, tu sais, notre partante, ben, tu sais, notre pas de tente, parce que ça s'est fait assez rapidement, on avait oublié le toit, Paulis. Mais tu sais, ça s'est quand même bien passé, ma première là, avec le toit, tu sais, couché dans un champ de seringue usé, tu sais, entre un gars qui faisait un overload sur un tas de mal, tu sais. Là, t'es vu quand même. Tu sais, je me plains pas parce que j'aurais pu me retrouver à la place de Joe, tu sais, il était moins chanceux que moi. Mais, c'est quoi le feeling? Ça a fait tourner avec un ananas dans le cul? Puis, mon premier réveil, il est assez brutal. Je me fais réveiller par un gars qui est à peu près la gueule d'une marionnette de ventriloque. Il regarde dans la main, puis je suis pas expert en produit laitier, okay? Mais d'après moi, c'est pas parce qu'il y avait trop de lait qu'il avait des yeux de vache, ok? Il regarde, hey, tu veux des champignons? Donc, moi, j'aurais dit non, je me suis dit que je suis loin et. Ça, ma mère, elle avait oublié d'en mettre dans son sauce à qu'elle m'avait préparé. Fait que ça, ils vont l'acheter. On achète ça, mon bijou, on mange ça, pis. Fuck off! Vraiment, ma fin de semaine commençait comme la marde, là. Fait que là, on a décidé d'aller voir les shows pendant la journée. Là, le rendu soir, le groupe principal, il embarque sur ça, là. Pis c'est l'euphorie, ok? Il y a la bière qui va être partout. Les filles pitchent leur brassière, ils montent leur boule. Ça ressemble un peu à quand je vais sortir de la scène, ok? Là, mon ami est à côté de moi, ok? Puis, quand la première tourne à part, lui-ci, il part, ok? Hey, il s'est fait emporter des heures, ok? Aussi vite que la colère de Justin Bieber. Il a pas fait ton feu parce qu'il est tombé aussi vite que l'érection d'Eric Salvaire de notre âme. Là, il tombe à terre, hey, il tombe, c'est une grosse roche qui s'est ouverte, elle rentre ça devant, je vous dirais. Mais là, on n'est pas tous des médecins dans le monde, je vous dirais. Fait qu'on a décidé d'amener à l'infirmerie. Mais l'infirmerie, comme à l'image de Woodstock, c'est à peu près un lèvre de peau et une grosse poire rouge dessus, ok? On rentre là,
Quand elle dit, les infirmiers en charge, c'est mon Marcel et mon Bidou. Je dis, ouais, mais si je jouais le plus bizarre, c'est quand je suis là, il jouait au. Peut-être qu'on jouait opération, avec des petites pinces, ça lève des organes. Il jouait à ça, mais pas de jeu! Fait que là, au moment où j'essayais de garder mon ami en vie, là, j'ai pas remarqué que sa tête a séparé du reste de son corps. Là, en bon gars que je suis, il m'a ramassé. J'ai essayé, j'étais pas capable parce que mes doigts étaient faits en sable. C'est beaucoup le mauvais feeling, vous direz. Fait que là, moi, je dis au gars, moi, je fais pas tout, je retourne au carnet. Mais ça a été une péripétie la plus dure de ma vie. Vraiment, je sors la tente, le coup, c'est un hommage à Pink Floyd, ok? En partant, je me sentais comme l'autre repris dans le mur, ok? J'étais là. Puis, essayez, vous autres, de courir en vitesse en évitant les grosses notes de musique qui essayaient de vous rentrer dedans. Ça n'a pas été facile. À un moment donné, bam! Je me fais parler de ma clé de sol. Puis, je tombe à terre. Non, je me souviens de rien. Je me réveille, heureusement, dans mon champ de sirène ici. Puis, je me dis, fuck off, Joe, on s'en va de ça. Je ramasse le peu de stock qui restait autour de moi, c'est-à-dire absolument rien. Parce que quand tu vas au bout de stock et tu veux faire quelque chose, vas-y, c'est sûr, amène ta belle-mère, c'est parfait. Donc, on a pris ça, on a rappelé, puis on a pris ce notre temps. Bref, ça fut quand même une belle fin de semaine. Donc, par l'applaudissement, ici, qui viendra à Woodstock l'été prochain. Je suis content que ça va se voir au loin, moi je pars tout de suite, là, qui mène, monsieur Yves. Merci, bonne soirée.